Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme on est en route et qu'on est en chemin, en rentrant chez nous, mes frères et sœurs, on va vous donner la petite vidéo et vous parler de ce que je pense par rapport à l'histoire, mes frères et sœurs, qui est très 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 violente entre mes frères et sœurs Marwalou, l'artiste. C'est chaud quand même, hein. C'est vraiment une histoire de malade mental. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de malade mental. Maintenant, pour le moment, on n'a pas encore la version finale. En fait, il faut regarder toutes les vidéos de Nabil. Hein. En tout cas, déjà, il faut féliciter Nabil parce que je vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui le félicitent. Il y a beaucoup de gens qui mettent des commentaires. Oui, nanana, c'est un chien, c'est un bâtard, c'est ceci, il se mêle de tout, on s'en bat les couilles, frère. Moi, je veux féliciter le gars-là parce que quand même, ce qu'il a fait là quand même, la vidéo, comment il a monté. Bon, c'est pas lui qui a monté, hein, c'est pas lui qui a fait le montage et tout. Mais comment elle a expliqué le bail, frère. Lui, c'est un mec qui peut vraiment faire animateur ou je sais pas. C'est son truc, c'est son bail. Il est fait pour ça. C'est un talent, mes frères et sœurs. Tu vois, ça, faut le reconnaître. C'est un talent qu'il a, le Nabil. Donc, on félicite Nabil déjà pour commencer. C'est un beau travail qu'il a fait. Moi, j'ai apprécié la vidéo. Je l'ai regardé scrupuleusement, je ne sais pas si on le dit scrupuleusement ou j'ai scruté, voilà, scrupuleusement, je l'ai scruté, c'est-à-dire je ne l'ai pas regardé tout d'un coup. Et je l'ai regardé et je l'ai finalisé, mes frères et sœurs. Donc voilà, félicitations à Nabil pour commencer. Deuxièmement, l'artiste, mes frères et sœurs, il a le cœur blanc, hein, je vous dire direct. Pourquoi l'artiste, il a le cœur blanc? Parce que, avec ce qu'il a vécu, tu vois, le gars, il a, chut, il s'est fait haggal. Ils l'ont tabassé à plusieurs et tout ça. Il a fermé sa bouche. Il n'a jamais parlé. Les stars, ils l'ont demandé c'est qui. Il savait c'est qui. Il n'a rien dit. Hey. C'est un bonhomme. T'as vu? Il faut dire les choses comme ils sont. L'artiste, c'est un bonhomme. Tu vois? On a des gens, mes frères et sœurs, ils se font voler leur téléphone. Ils donnent un nom. On a des gens, mes frères et sœurs, je sais pas, pour rien, ils donnent des noms aux stars. Tu vois? Pour rien. Pour je sais pas, pour un papier devant leur porte, ils vont donner un nom. Tu vois? Lui, il a failli se faire canner, il ne donne pas de nom. Donc déjà, ça, c'est un bonhomme, tu vois. Le gars, il a le cœur blanc. L'artiste, il a un bon cœur. Tu vois, ça se sent. Quand tu vois ça, tu vois tout de suite. Maintenant, Marwalou, t'as vu, moi, personnellement, t'as vu, moi, je vais vous parler de ce que je pense, tu vois. Là, il y a des accusations, on n'a pas tous les versions. Mais sans l'artiste, il n'y a pas d'existence de Marwalou. T'as vu? Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Du jour au lendemain, elle arrive comme ça. Moi, j'ai pas compris, t'as vu? Et moi, j'ai pas compris, tu vois? Parce que je vois, il y a beaucoup de gens, ils ont du talent. Je dis pas qu'elle est nulle. Tu vois, mais je vois, il y a beaucoup de gens, ils sont forts, ils sont puissants. Et hey, ils arrivent jamais à la lumière. Mais ils sont très forts, tu vois? Elle est normale, t'as vu? C'est pas. Toi, c'est pas Beyoncé, c'est pas. C'est pas Yana Kamura, c'est pas. T'as capté, c'est pas Wallen. C'est pas Kenza Farah de l'époque, t'as capté. Elle a du talent. Mais elle est pas au niveau des gens là, t'as capté. C'est pas le niveau. Elle n'est pas au top de des Wallen, des Mélissa, de tous ces gens-là de l'époque, tu vois. C'est pas ce niveau-là, tu vois, je veux dire ou quoi. Donc moi, quand elle est arrivée, j'ai trouvé ça suspect. Je me suis dit, comment, tu vois. En plus, quand elle arrivait, elle n'avait pas trop de talent, t'as vu. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui était puissant. Tu vois, elle arrivait, c'était pas fort sa musique. C'est avec le temps qu'elle a perfectionné son bail, tu vois, je veux dire ou quoi. Donc voilà. Donc moi, je vous dis la vérité, hein, si l'histoire s'avère vraie, que l'artiste s'est fait marabouter, qu'on a marabouté sa femme. Je ne sais pas si actuellement il est divorcé ou pas. De toute façon, s'il est divorcé, ben c'est sûr qu'on lui a fait un truc. Parce que bon, par rapport à l'histoire qu'il raconte, c'est une folie, mes frères et sœurs. Hein. Enfin, c'est pas l'artiste qui raconte, c'est Nabil, tu vois. C'est une dinguerie, frère, tu vois. C'est une dinguerie. Imaginez-vous, c'est vrai. Imaginez-vous, c'est faux. C'est triste pour Marwalou. Mais imaginez-vous, c'est vrai. C'est une dinguerie, mes frères et sœurs. C'est un truc de fou. Tu vois? C'est pour ça, en fait, ce qui rend le plus heureux, je vous ai déjà dit, c'est pas les pépettes. C'est pas l'argent. C'est pas. En fait, c'est pas l'argent. C'est pas le succès. C'est tout simplement ta vie privée. En fait, les gens, quand ils te voient pousser une poussette, ils peuvent devenir fous. Parce que lui, même s'il a des enfants, le mec, bah, peut-être il est plus avec sa femme. Donc, quand il te voit pousser une poussette avec ta meuf, ça peut te faire péter un cap, tu vois? Je vous dis la vérité, hein. Vous pensez l'argent, c'est. Ça rend. Oui, l'argent, ça.
C'est vrai, ça te met bien et tout ça et tout. Mais c'est pas ça la définition du bonheur. Si on veut vous parler de la définition du bonheur, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu, dès le début, il a créé Adam, tu vois. Et tout de suite, il a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul, il a créé Ève. Tu vois, il a pris la côte d'Adam, il l'a fait dormir, il a créé Ève avec. Tu vois? Donc, mes chers frères et sœurs, en gros, le bonheur, c'est quoi? C'est que tu sois accompagné d'une femme et que tu fondes une famille. Après, Dieu, il a dit quoi? Remplissez la terre et dominez sur les animaux, mes chers frères et sœurs. Dominez sur tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, là, Dieu, il parle même pas d'argent. Tu vois, il parlait même pas d'oseille. Donc, voilà. Donc, en tout cas, grosse force à l'artiste, mes frères et sœurs, je m'arrête là. Énorme force à lui. Tu vois, c'est un bon. Au lac, c'est un bon. C'est un bonhomme, mes frères et sœurs. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. Je vais pas commencer à critiquer les autres, les gens. C'est pas mes histoires, t'as vu? Mais je voulais donner mon mot à dire. C'est une histoire qui me tient à cœur, t'as vu? Magie noire, sorcellerie. C'est triste d'en arriver là. Si c'est vrai, c'est chaud.